1994, je me retrouve à Montréal, je quitte mon Abitibi natal et il y a un spectacle à l'affiche à Montréal et c'est Alegria. Donc, le soir, on va voir Alegria et là, ma mère se tourne vers moi et elle me dit « Tu sais, maintenant, avec ta nouvelle orientation professionnelle, un jour, tu vas peut-être travailler sur un spectacle de cette envergure-là et de cette importance-là. » So for me, Alegria was the show that I first toured on. My long-lasting memory about the show will always be the music and hearing the music going on inside the Big Top while I was outside working and knowing the acts that were in the show and knowing everything that was going on. À un moment donné, je faisais beaucoup de photographies à cette époque-là et j'ai décidé, entre deux villes, à un moment donné, de rester pendant un montage de chapiteaux et du décor et de faire une espèce d'essai photo, d'être là comme photographe. Et j'ai beaucoup appris, j'ai appris à connaître plus les techs et tout. Et alors ça, pour moi, c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai de ma tournée avec Alegria. Le retour d'Alegria, étant donné que c'est un spectacle iconique, on parle de 25 ans, donc on parle d'une nouvelle génération. Qui, je pense, va être aussi touché que la génération du départ d'Alegria avec ce spectacle-là. Alors, je pense que ça a tout son sens dans ce contexte-là.